bien bonjour à toutes et à tous, c'est Noderon. Nous revoilà pour un quatrième épisode de Anna. Quatrième épisode et je pense le dernier, parce que je crois qu'on approche de la fin. Donc j'espère que cette série d'épisodes vous aura plu. Surtout que cela vous donnera envie d'acheter le jeu et d'y jouer. Bon, je dois admettre que 10 euros pour un jeu aussi court, ça peut être un peu cher. Donc je peux comprendre, mais c'est surtout au niveau de la difficulté. Étant donné que vous regardez cette vidéo, je pense que la difficulté doit s'être envolée. Mais bon, on reconnaîtra surtout le jeu, les qualités du jeu pour son ambiance en fait. Donc bon, de toute façon on en reparlera après, le jeu n'est pas encore terminé, on verra ça juste après. Donc on s'était arrêté là dans les miroirs. Donc voilà, je les ai orientés tous ici, de toute manière on peut plus les bouger. Voilà, il ne peut pas les bouger. Donc il y a autre chose à faire. Ah, déjà on a récupéré les masques, c'est déjà ça, on va les utiliser. Il y a que ça à faire. Ah, c'est pas compliqué, il y a des miroirs, il y a les masques et c'est tout. Voilà. Comme je m'en doutais. Bon, il est clair qu'au début c'est assez difficile à comprendre. Mais après, dès qu'on a compris en fait que faut se baser sur des rituels et non pas sur quelque chose de logique. Comme dans la vie de tous les jours, du genre avec le couteau, vous pouvez découper une corde. Alors que dans ce jeu-là, c'est complètement absurde. Dès que vous avez compris ça, le jeu, en fait, après, il n'est pas si compliqué que ça. Ça me rappelle d'ailleurs un jeu d'aventure qui était dans le même genre, mais qui mélangeait les deux, justement, le rituel et les énigmes logiques. Ça s'appelait Necronomicon, je sais pas si vous avez connu. C'est basé sur les romans de Lovecraft. Et justement, ça mélangeait un peu la logique du détective et compagnie. Et justement, les rituels contenus dans le Necronomicon, ainsi de suite. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bon, il se passe rien. Les récupérer, c'est déjà ça. J'ai l'impression qu'il faut les placer sur chacun des miroirs. Non, bon, d'accord. Ça paraît tellement logique. Bon, il est clair que ce jeu n'est pas très intuitif, mais on en excuse vu la qualité de l'ambiance. Alors. Non plus.
cité sale. Quand même tordu, hein. Faut l'admettre. Est-ce que je récupère le masque ou pas? Je peux pas. C'est flippant, je dois admettre. Ouais. Bon, vu que je suis gaucher, je passe par la gauche, hein. La gauche aussi, tiens. C'est un vrai labyrinthe, ce merdier. Encore à gauche. Ah, même le personnage, il l'a flippé.
crois que c'est une des parties les plus glauques en fait. Quoique non, le jeu est glauque tout court. Ah. Bon ça.
bouger, hein, juste pour info. Ok. Un petit peu le crédit, vous aurez l'occasion de le regarder un peu plus tard. Je suis quand même un petit peu étonné que ça se finisse comme ça. Je vais quand même aller me renseigner, je reviens de suite. Et bien voilà, apparemment il n'y a pas d'autre fin, donc ça s'arrête là. Pour information, j'ai trouvé une... apparemment ce jeu est actuellement disponible en sous-titré français, donc j'ai pas réussi à le trouver, hein. Ça, si j'ai pu jouer à cette version, c'est grâce à un ami qui m'a prêté son compte des Aura, donc je le remercie. Et également apparemment dès que vous installerez le jeu, vous aurez des soundtracks en fichier compressé directement dans l'installation, dans le dossier programme file et compagnie.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc prochainement, logiquement, vous avez l'épisode 2 d'Expérience 112 qui devrait être disponible à l'heure actuelle sur ma chaîne. L'épisode 3 qui doit être en cours de préparation. Et logiquement, vous pourrez voir le let's play de Myst, Riven et Exile. Peut-être le quatrième si je le retrouve. Et je sais pas encore, peut-être le cinquième, mais c'est vraiment pas sûr. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir vu, d'avoir regardé ces vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des commentaires ou à vous abonner. Voilà, bon bah je vous laisse sur cette jolie musique et je vous dis au revoir à toutes et à tous et à la prochaine.